Et salut, heureux tout le monde, donc nous voici sur Machiavilaine pour la suite de nos aventures avec un nouvel épisode et on commence directement avec un vote. Un petit vote entre pirate informatique, coffre mystère et solde spécial. Alors le pirate informatique va nous permettre de baisser la suspicion, le coffre mystère mystique, pardon, je ne sais pas. Et solde spécial, mais écoutez, comme le nom l'indique, j'imagine qu'on va avoir droit à des objets moins chers, des choses comme ça. Et voilà, et on a aussi dans l'attente hein, de plus d'Evilium pour recruter donc les petits monstres qui vont aller combler ces emplacements vides. Mince, j'avais mis ce vote. Alors je sais pas si on peut changer de vote. Pour me dire du coup. Voilà, mais Larry carton jaune orangé encore. Qu'est-ce que tu me fais ce soir? Et salut à toi Kubi, bienvenue sur le live. Hi. Hello Kubi. You can speak English if you want into the chat. I speak French. Eh bien écoute, c'est parfait Kubi. Tant mieux. Ça m'évitera de vous pourrir l'esprit avec un anglais exécrable. Alors il y a quelqu'un qui ne coupe pas son bois là. Je ne sais pas qui. C'est Carthagène, Wisgo et Larry. Voilà, Larry qui construit effectivement mais qui coupe pas son bois. Bon, pas très intéressant à diffuser comme match. Ah. Bon, en même temps en replay ça passera assez vite, on fera un autre match derrière ou quoi. Ça pourrait aussi être un monstre, oui, il n'y a pas de souci, Kubi. Mais pour ça, il nous faut l'Evilium là. Il nous en manque un peu. Alors en revanche, je te préviens, comme on est en galère de viande, ce sera ou un squelette ou une citrouille ou... ou quoi d'autre, un mangeur de cerveau, donc un psychopathe ou un zombie. On peut pas se permettre de prendre de momies et autres loups-garous parce que sinon bah, ils crèvent de faim simplement. Alors les vampires on les a pas débloqués a priori, on en a eu un dans une circonstance exceptionnelle mais pour l'instant on peut pas... Attendez, je vais mettre fin au vote. Voilà, pour l'instant les vampires sont Keblo. Il nous faudrait 500 Evilium. Le pneu. Allez, on va profiter du pirate informatique, on va prendre 300 balles pour... baisser un peu la suspicion. Et vampire, il n'y a pas. Vampire, écoute, on peut en croiser de temps en temps dans des circonstances improbables, mais sinon on fait une demande classique. On n'en aura pas pour l'instant. Ça, ce sont les... On a droit aux têtes de citrouille, au docteur Frankenstein, au loup-garou, au monstre de Frankenstein. Pardon, je m'étouffe. Au psychopathe, au squelette, à la momie et aux zombies. Mais sauf que les momies, les monstres et le loup-garou et docteur Frankenstein mangent de la viande. Donc on va essayer de ne pas les recruter.
Ah mais c'est ça, Wisgo et Larry, ils partagent la viande à deux là. Et regardez, il reste plus que 50. On a même pas passé la journée quoi. Ah ouais, on se bat le bout de viande ici. On se bat le bout de viande, en revanche, voilà, les os, le sang fumé, on a tout vendu, enfin... Très bien qu'il termine aussi de construire ce fumoir. Elle est où la poulette ? Alors Kubi, tu veux un squelette, écoute, on va essayer de faire ça, mais c'est pas nous qui décidons. En fait, ce qu'on peut décider, c'est qui est-ce qui va nous être proposé, quel genre de personnage. Mais après le jeu... Alors d'ailleurs, il nous faudrait combien ? Il nous faudrait 312 Evilium pour faire la demande de 3 personnages que l'on choisit. Ouais, on peut choisir ce qu'on veut, ça change pas le prix après. Bah là on a Daskar, Turtle et Kubi, ça peut être bien avec les trois et puis après on s'occupera de débloquer le truc pour Creeper, donc essayer de le réanimer. Je pense que ça peut être cool. Ah, les héros arrivent. D'accord, mais alors les héros c'est bien mais ça file pas des Evilium. Donc ils sont gentils. Bon, ils sont pas pressés, hein. Ouais, ça va être ça dans les prochains... Ah, oula, ils arrivent à 5. Ils arrivent à 5, ok. Attention, ça va être chaud, alors il faut qu'on garde un œil. Ouais, mais lui, il a plus de potions, quoi. Il a pas de potions, il en a jamais eu. Bon, il faudra racheter Daskar, hein, probablement. Voilà. Oh là là. Minions is about to die. Alors Larry potion, 100 points de vie, il en est où? On peut pas voir ses points de vie quelque part. Attendre encore un petit peu. Ah purée, le vote. Bon, je vous laisse voter vite fait. Event 1, event 2, event 3. Et puis je ferme ça et j'enlève la pause.
Bon, là, c'est quand même très mal barré. Convention Geek et Licorne. Vous avez été gentil. Alors, les geeks se réunissent de partout, Là, ce sont les touristes qui ont plus d'argent. Bon, et alors là, on est en train de se faire éclater la tête, hein. Comment on survit à ça? Ah, très bien, on a repris l'avantage numérique. Attention à Wizgo. Ok, GG. Tout le monde là-dessus. Non, bah Wizgo décédé. Allez, ouais, vous arrêtez pas en si bon chemin, les gars. One of your minions is about to die. Bon, alors là, on va profiter de la route bloquée, évidemment, pour peut-être nettoyer tout ça. Mais en attendant, on a perdu du monde, hein, quand même. Perdu du monde, alors attendez. Voilà, viens ici. Ah, c'est chaud et les 5 héros là, c'est. Bah, les gars ils arrivent avec des boucliers, etc. Alors, en même temps ils nous ont laissé des trucs. Il va falloir voir tout ce qui est disponible maintenant. Mais ouais, les héros là ils déconnent un peu moins qu'avant. Hein. On est loin du petit paysan avec sa fourche et. Et sa torche. Hein. Bon, le bon côté de cette affaire, c'est que désormais, t'es tout seul à distribuer la bouffe, quoi. T'as réussi à éliminer Wizgo de la concurrence au steak. Et on a perdu qui d'autre? On a perdu Daskar. Bah écoutez, on va mettre un Daskar 2. Le ragage, donc, oui, tiens, 1100. Ouais, Daskar, il était là dans le plan pour faire diversion, en fait. Histoire qu'on se rende pas compte que c'était pour Larry, pour Wizgo. Bon, hop. Larry vient de faire soigner. On est parti manger. Bah Joujou, tu fais rien. Il y a des level up, bonne question. Pas du tout. Pas du tout, mais alors, quelle belle fiche. Hein. On va rajouter de l'endurance quand même, parce que... C'est-à-dire que c'est bien de rajouter la dextérité, de la force, etc. Mais après, nos personnages crèvent tout de suite. Et ça, c'est beaucoup moins bien. Ah, ils ont besoin de beaucoup de choses, là, les minions.
Dextérité, c'est dans mes items. Hein. Oui, c'est pas faux. Je t'échangerais bien le plus 10 de dextérité contre un plus 10 d'endurance. Ouais, il va falloir en trouver le truc, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé d'objet. Regardez les objets nouveaux, mais il faut qu'ils arrivent à les ranger parce qu'il n'y a plus trop de place en fait. Du coup, on sait qu'on a des colliers porte-bonheur là. Quoi, ça, dextérité. Dextérité, j'ai l'impression que c'est toujours dextérité ces trucs là. Il y a quoi, il y a une épée qui traîne là. Ouais, Vimax plus 30, c'est vraiment très peu, hein. Toi t'as beaucoup de points de vie. T'as combien? T'as 700. Je pense que 30 ça changera pas grand chose. On va te laisser quand même la dextérité si jamais ça te permet de... Enfin, je sais pas comment ils s'en servent. Et si ça te permet d'esquiver des choses ou quoi. Je préfère que tu évites de prendre des coups plutôt que... Alors attendez, le déjeuner arrive. Tu touches pas à la salle des coffres, hein. Faut pas déconner. Bon, là on est pas mal en Ebilium, ça c'est très bien parce que du coup on en a chopé au moins deux tout seul. Donc on va pouvoir lancer cette recherche.
Alors pourquoi est-ce qu'on peut pas recruter de squelettes là? Ah mais si c'est bon. Ici il est là le squelette. Bon, néanmoins on va faire ça en deux fois. Tu one shot ces petits trucs, ouais là c'est sûr que les touristes, rien à voir avec les... Rien à voir avec les héros. Oh là là, on va avoir tonne de bouffe là. Allez, on va se dépêcher un peu. Pierre tombale en plein milieu de la route, y a aucun problème. Dextérité, ça donne une meilleure utilisation des flingues, des dynamites, etc. Ah oui, ok. Bon, on va te changer ça alors. Pas de soucis. Tiens, mais tu peux poser ça. Non. Et il y tient sa dextérité. Sont déjà pleines. Ah, tu veux pas le mettre à la place de ça. D'accord. Bon, bah écoute, prends ton truc de dextérité alors. Est-ce qu'on peut lui donner d'autres? Je crois qu'on n'a pas d'autres objets donc. Bon, écoutez, on lui rééquipe en attendant de trouver mieux. Mais ouais, là. L'urne, ça va pas au même endroit a priori. D'accord. Bah, joujou à récupérer des points de vie. Et des victimes arrivent, mais tant mieux. Dès que c'est pour les squelettes et les psychopathes, c'est noté. Pas en prendre deux à tout hasard. On peut avoir deux colis. Ah mais du coup tu peux pas avoir grand chose d'autre quoi. Victims are coming. Ah. Le dîner est servi. Bon là 4 c'est un peu plus compliqué. On attend nos petits monstres qui vont arriver bientôt. Hein. 3 nouveaux. Enfin à condition que. Non si là on a choisi qu'il n'y avait pas de viande donc. Pas de soucis. Hop, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Thank you.
je l'ai fini avant qu'il ne s'en aille. On va refaire toute cette zone, je pense. Ah bah voilà. Mais on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, c'est abusé. Bon, de toute façon, c'était de la viande ici. Pas grave. Une seule vétéran, non? Bah écoute... Là, il y a un niveau 2, niveau 2, niveau 2, niveau 5. Bon, c'est plus tout à fait des débutants, mais quand même, on s'approche de niveau 3 ici. Entre 1000 XP et 5800, ouais, c'est clair. D'ailleurs, on va accélérer un petit peu. Bon, ça vient ça, 60. Ok, ça arrive. Bon, voilà, on y est. On va faire une petite pause même. Hop. Alors, on va avoir droit à Candy, Dylan, Philippe Powell, Evalina. Et Joe Sanchez. Alors Joe, c'est le vampire. Non, c'est le psychopathe. Ok. Alors déjà, Kubi voulait un squelette. Mettre Turtle en psychopathe. La Cars 3 en psychopathe. Ça marche. Cars 3 en psychopathe. Donc ce sera Joe. C'est un autre psychopathe, voilà. Turtle c'est fait. Et ensuite, on va le donner à Cross Q le zombie, je pense. Ok, on va relancer un recrutement de soit tête de citrouille, soit squelette. Ah, on peut aussi... Ah ouais, mais ça coûte la peau du cul, quoi. 1300 balles. Bon, on va relancer l'annonce tout de suite. Pour le dernier candidat, donc. Alors tout le monde est arrivé, il faut leur attribuer aussi les trucs. Donc. Thank you.
Ok, voilà, les trucs ont été assignés et maintenant on va les passer aussi en offensif. Parce qu'on choisit la solution offensive. C'est bon, tout le monde est en offensif. Pas de soucis et on va pouvoir leur filer des équipements du coup. Kikubi, justement, si tu veux. Tu veux prendre un truc de dextérité, ce serait pas mal. Mais alors, retrouver ces trucs-là dans tout ce bazar. Du coup, j'ai pas suivi, c'était quoi le problème avec l'urne? En fait, c'est que tu ne peux pas avoir deux objets. Tu peux avoir un pendentif et un objet. Mais tu peux pas, comme t'as déjà le livre, tu peux pas prendre l'urne en plus. Tu peux prendre un bijou. Mais a priori voilà. Alors, ce truc là. Allez, Kars, il a une. J'allais dire une âme de golfeur, mais au final. Au final, on va lui laisser plutôt une matraque. Une matraque ou une épée. Il y a une batte aussi, une batte à clous. Ça fait bien psychopathe, ça. Allez, batte à clous. Ensuite, Turtle, on va prendre l'épée. Cross Q, une matraque. Donc voilà, on va recruter un dernier personnage et ensuite on essaiera d'aller ressusciter Edaskar et Creeper et de débloquer un nouvel emplacement à la force de notre argent. Bon, hop, on est reparti. Yo Kars, qu'est-ce qu'il fait? Sur la clé à molette, je suis en mode combat. Ah, vous l'êtes peut-être tous. Bon, pas tous, puisqu'il y en a qui s'activent. Non, c'est bon, ça travaille. Ah, la cuisine est prête. La cuisine est prête, alors on va pouvoir maintenant construire donc tout ce qu'il nous faut. À savoir les trucs de stockage déjà. Table de boucher, table à manger.
Voilà, et dès qu'on aura le frigo, on rajoutera ça. Mais non. Mais bien sûr que non. Mais oui. Vas-y, viens. Viens, on t'attend. Bon. On a tout le monde. Minions need to sleep. Alors, à qui on le donne celui-là? Je vais le donner à Daskar également. Il a déjà l'autre qu'on doit ressusciter. Attendez, je vais remonter le chat. On va le filer à Morphès. Morphès qui est passé nous voir. Voilà. Parfait. Voilà, on va équiper Morphès du truc plus de dextérité là. Hop. Et voilà, on est au complet. Maintenant, on attend les adversaires. Tu vas pas le ressusciter, il avait level up, c'est du gâchis. Ouais, mais c'est juste pour virer les tombes en fait. Ça commence à saouler ça. Bon, d'ailleurs, je sais même plus où était la sienne. Mais ça passe tellement vite, c'est déjà quasiment la fin de l'épisode. Bon. Il veut pas venir nous voir là. Ça y est, ils sont là. Sous la volonté. Bim. On va s'éloigner pour pas qu'il y ait de sang trop. Voilà. Dehors. Ça c'est fait. Et du coup, Kubi, tu peux. Non, t'as déjà un truc comme ça. Dis-toi que chaque tombe est là pour te rappeler le chemin parcouru, alors si tu veux, la prochaine fois on prendra un Daskar. Ah, c'est qui est parti là. Et Morphès, passion vélo. Mais ben écoute, tant mieux, donc ça c'est fait, on va pouvoir maintenant construire le plancher. Et détruire, alors construction. Démonter ça. Voilà. Voilà, parce que là on a un gros souci, c'est qu'on a plus de place pour mettre les objets. Donc on va se faire quelques petits coffres. Et puis quoi d'autre?
Un coffre à équipement aussi. Ah. Mais celui-là, c'est un coffre pour l'or, ils ont dit. Il me semble. Et c'est parti pour le coffre à or ici. Ah, des survivants arrivent, hein, des victimes. Victims are coming. Bon, il va falloir qu'on passe à plus de victimes, hein, je pense quand même. Désolé, il va falloir y aller tout de suite. J'aurais voulu faire les choses proprement, mais ça va pas être possible. Voilà. Ça éclabousse un petit peu. Peut-être pas nettoyer, ouais, il faut qu'il s'en occupe. Tout va rentrer dans l'ordre. Pas de soucis. Et ouais, pour les équipements, on a 6 coffres là comme ça qui arrivent. Toute cette viande à moi tout seul, mais c'est ça. Voilà, team nettoyage. Alors, ben, Joujou est pas content, tu dis, qu'est-ce qu'il veut ? Ah ! Ah ! Direct. Oh là là. Bah ouais, mais obligé. Oh là là, mais qu'est-ce qui nous gâte ? Donc on va pouvoir vendre ces trucs-là, peut-être ?
AK-47 pour Creeper. Écoute, on va faire ce qu'on peut. Il y a déjà la tronçonneuse, on va la filer à Kars. Il va se... Il va renouer avec... avec sa tronçonneuse. Alors Larry, est-ce que tu peux porter ça par exemple ? Tout à fait, tu as le casque donc bouclier 100. Alors en attendant, eh bien écoutez, c'est Turtle qui va prendre le fusil. Voilà. Ça, t'as rien du tout, on peut te mettre ça si tu veux. Enfin un vrai équipement, ouais. Sur la tête de Kars, on va mettre ça quand même, histoire de libérer de la place juste. Ah mais du coup Turtle il peut prendre le petit objet, voilà, ici. Plus de dextérité, hop. Kobe il a rien du tout, on va lui donner une épée ou pas? Peut-être pas. Vu qu'il balance ses os. C'est quoi mes passifs? Je ne sais pas du tout. Pied tout terrain. Naturel, facile à vivre. Ça va, la construction avance super vite maintenant. Tant mieux. Là, c'est la découpe des arbres qui avance pas trop. Je comprends pas trop le problème de Bajoujou et là j'arrive pas à lire, c'est vraiment trop petit. Légèrement blessé. Le compte soigne. Il voulait être soigné, il est soigné.
Ah, descente de police, templier, survivant, oh là là. Ah, c'est parce qu'il a découpé son pote en cuisine. Ça me rappelle RimWorld. Allez, on va arrêter l'épisode après ce combat. On va attendre le survivant. Survivant, il y a encore du temps. Levée du courrier manqué, mais comment ils ont fait pour manquer le truc alors qu'ils sont 160? On a toute la fine équipe. Belle joujou, pas content encore. Il va pouvoir passer tes nerfs là sur un survivant. Ça c'est fait, hein. Le petit bruit de tronçonneuse qui va bien. Alors, point de compétence pour Storm Rider. Qu'est-ce qui nous fait Storm? Ah oui, c'est vrai qu'il peut balancer des trucs. Premier point de compétence de Kars. Alors, dérobe l'arme, ça peut être pas mal. Morsure d'oreille, on va faire dérobe l'arme. Et il peut même s'équiper avec si possible. Incroyable. Allez, hop. Pour toi, il n'y a pas encore de niveau, malheureusement. C'est bien loin, là. 4008 sur 12000. Et donc, voilà. Bah écoutez, on en a terminé avec cet épisode. Ça aurait été l'épisode de la tronçonneuse. Le retour de la tronçonneuse fait du bien. Toute cette viande qui va pourrir, là. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus. On se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Je vous remercie d'avoir suivi, souhaitant que ça vous ait plu. Et puis voilà, faites une excellente soirée tout le monde. Ciao.